coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc c'est un petit tuto pour apprendre ensemble comment créer des visuels pour le web, comment créer des visuels pour Facebook, comment créer la photo de couverture pour sa page Facebook, etc. Donc si vous vous rappelez bien, on a commencé un tuto dans lequel on est en train d'apprendre ensemble comment créer une page Facebook. Donc ce tutoriel, on va apprendre comment, avec quelques images, comment créer une photo de couverture Facebook, comment créer une photo de couverture Twitter et comment créer une affiche pour le web, une publication pour le web. Donc l'outil qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, c'est l'outil qui s'appelle Canva. Donc Canva c'est quoi? Canva c'est un outil, c'est un studio graphique donc, qui vous permet de créer en un temps record, c'est-à-dire si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas expert, vous n'êtes pas graphiste professionnel pour aller utiliser Illustrator et Photoshop. Donc Canva, c'est un outil en ligne, donc vous avez la connexion internet, il suffit juste de créer un compte et vous avez la possibilité de faire de grandes choses, créer des affiches pour la couverture de votre livre, créer des photos de couverture que vous pourrez publier sur les réseaux sociaux, etc. Donc ensemble aujourd'hui, nous allons voir un peu comment ça fonctionne. Donc, nous allons apprendre un peu. Donc, cela vous permet aussi de créer aussi ce qu'on appelle des tout genre de photos. Donc, on verra ça dans le studio. Donc, allons-y. Donc, pour ce faire, on tape dans le navigateur canva.com. Canva.com. Moi, j'ai déjà un compte. Vous avez la possibilité de créer un compte avec votre compte Facebook, votre adresse Gmail, ou soit s'inscrire avec une autre adresse email, Yahoo, Hotmail, etc. Donc, vu que moi, j'ai déjà un compte, donc je viens ici, se connecter, donc je clique sur se connecter. Il me demande par quelle méthode je veux me connecter. Donc, sûrement avec Facebook parce que j'ai créé mon compte avec Facebook. Donc, je clique dessus. Je clique sur se connecter avec Facebook. Donc, ça tourne. Voilà. Donc là, je viens de me connecter à Canva. Donc, à l'outil Canva. Donc, comme je le dis, c'est un outil qui a un panoplie de modèles. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le remarquer ici, vous avez la possibilité de créer des visuels pour le social media, donc social media post. Donc, ici, vous avez les posts qu'on peut mettre sur Twitter. Donc, il y a les modèles qui sont déjà redimensionnés à la taille des photos des social media. Nous, on va s'attaquer ici, donc comme je le dis, donc une fois que vous avez le compte, ça vous ouvre ça, donc il suffit de choisir un modèle. Nous, on va s'intéresser à deux types de modèles ici. Donc, on va s'intéresser à la photo de couverture Facebook, donc Facebook Cover, et à la photo de couverture de YouTube, et de Twitter. Donc sans plus tarder, nous allons choisir photo de couverture Facebook, donc je clique dessus, sur le modèle. L'idée aussi, c'est de faciliter la vie aux gens, les gens qui n'ont pas la possibilité, les gens qui n'ont pas le temps. Donc, ça, tu as ta connexion internet, tu as un compte, tu crées un compte et tu crées rapidement ce que tu as à faire et tu mets ça sur ta page, sur ton blog, etc. Nous ici, nous allons choisir un modèle. Donc, il faut, comme vous le voyez ici, c'est la place dédiée, c'est le menu dédié à votre création. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne ici. Ici, dans ce menu, vous avez les différents modèles. Donc, il y a les modèles qui sont free. Bon, vous pourrez l'utiliser dans vos réalisations. Et il y a les modèles qui sont payants. Donc, il faut faire toujours attention. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est free. Donc, je peux l'utiliser comme modèle. Donc, vous avez d'autres éléments ici. Donc, on a les layouts. Les layouts, c'est les modèles. Nous avons des éléments. Donc, si vous avez envie d'ajouter... Par exemple, sur votre couverture, d'autres éléments, soit les lignes, les illustrations, etc. Donc, vous avez la possibilité de le faire ici. Vous voulez ajouter du texte, donc il vous offre un panoplie de police que vous pourrez utiliser sur votre photo à vous. On peut changer la photo de fond, le background color. Et ici, vous avez la possibilité d'uploader vos propres images. Donc, il ne vous oblige pas, vous avez la possibilité d'uploader si vous avez une image sur votre machine, vous pouvez l'uploader, le modifier directement dans Canva. Donc nous, ici, on va s'intéresser au layout. Donc on va choisir un exemple ici. Donc moi, je choisis cette option parce que je vais créer une photo de couverture Facebook pour ma page, mon agence, etc. Donc, je clique dessus.
Donc une fois que vous cliquez dessus, donc vous voyez que quand j'ai cliqué dessus, c'est que j'ai choisi ce modèle, donc ça me ramène directement ici. Comme vous pouvez le voir, ça me ramène directement ici. Donc je choisis ce modèle, donc je reviens sur le modèle en question, je clique. J'ai la possibilité d'utiliser des filtres pour ce modèle que je viens de choisir. Donc il y a l'option filtre ici, donc vous avez différentes sortes de filtres. On voit que quand je clique sur les filtres, vous voyez que ça change de couleur, de fond, etc. Donc c'est un filtre qui est appliqué à l'arrière-plan. Donc je choisis un filtre donné. Donc, je fais des blues. Non, c'est pas intéressant. Pas trop intéressant. Je reviens sur l'option vert. Non, pas trop intéressant. Donc je choisis normal ou bien je choisis Kali. Voilà. Donc vous avez la possibilité de mettre l'intensité comme vous voulez, etc. Donc c'est vraiment un outil très important, un outil simple d'utilisation que vous pourrez utiliser dans votre activité. Donc vous avez la possibilité aussi de couper. Donc vous avez la possibilité, si la photo est trop large, donc vous avez pas la possibilité de couper. Donc moi ici, c'est pas trop large, c'est adapté. Donc j'ai la possibilité de déplacer la photo pour voir qu'est-ce que je veux, etc. Donc je déplace. Voilà, donc je veux avoir ça. Donc je clique sur valider. Vous avez la possibilité aussi de tourner. Donc, de tourner verticalement ou horizontalement votre photo, la photo que vous avez. Voilà, donc vous pouvez mettre des espaces. Vous voulez que la photo soit jolie, etc. Donc c'est un peu ça. Donc je peux changer aussi la couleur, comme je l'ai dit, la couleur de fond, de l'arrière-plan. Je reviens sur l'image de fond. Donc l'image de fond ici, c'est l'image de fond, donc c'est ce qu'on est en train de modifier. Donc vous avez la possibilité de modifier aussi le test. Donc il suffit juste de cliquer sur le test, donc le test ici. Donc vous modifiez le test. Donc ici moi je vais modifier le test. Donc je vais dire formation, stratégie digitale. Donc ça dépend de ce que vous voulez, faire. Quel est votre domaine d'activité? Donc, vous avez une panoplie de modèles ici que vous pourrez utiliser par rapport à votre activité, etc. Moi, je vous montre sur un modèle donné. Donc ici, moi, j'ai la possibilité, je viens de modifier le test. Donc, je quitte le test. Si j'ai envie de modifier ce test aussi, donc je le modifie parce que ce n'est pas mon site. Donc, je mets par exemple l'adresse vers mon blog. Donc, soit je mets cmagency.com. Voilà, cmagency.com. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant. Donc, je viens de modifier le test. J'ai la possibilité de modifier le test. J'ai la possibilité aussi, si je ne veux pas avoir, comme vous pouvez remarquer ici, les barres vert là. Donc, j'ai la possibilité de le supprimer. Ici, on a le menu copier, arranger, avoir le lien ou supprimer. Ouais, donc si je veux supprimer, quand je vais cliquer sur supprimer, ça se supprime automatiquement. Moi, je vais le laisser. Je vais juste changer la couleur de fond, la couleur des traits. Donc, je viens sur la palette de couleurs. Je veux avoir un peu le rouge. Je veux voir ce que ça donne. Le rouge, ça frappe. Donc, j'ajoute moi-même. Donc, je rentre un peu dans le rouge. Voilà, le rouge, c'est trop frappant. Donc, j'ajoute une autre couleur. Par exemple, je viens un peu vers le... pour voir ce que ça donne. Soit carrément, je repars sur le vert. Le vert, la verdure. Voilà. Donc, comme c'est comme ça, comme vous pouvez remarquer, j'ai remodifié la photo. J'ai remodifié la couleur de ce test. Donc, je viens. Je choisis la verdure. Vert. Ici, j'ai la possibilité de choisir la taille que je veux. Ouais, donc ça décale. Donc, j'ai la possibilité de choisir la taille par rapport à ce que je veux. J'ai la possibilité, si je veux, que ça soit en italique, justifié, centré, tout ce que je veux, en fait. Donc là, vous pouvez choisir la police que vous voulez, si c'est intéressant ou pas. Voilà. Donc, deuxième chose à faire aussi, l'idée aussi c'est pas de recopier ce qui existe déjà.
Donc, si vous avez vous-même pris une photo, là, une photo qui est intéressante de votre bureau, de ce que vous faites, que vous voulez mettre en couverture, donc je peux changer la photo, pas d'image intéressante, donc je garde l'image là, donc je rechange le truc, je remets. Après, je veux utiliser un élément, donc je veux utiliser par exemple des photos qui sont libres de droit. Je prends une image qui est parlante, voilà. Donc je supprime. Donc je prends l'image du smartphone, bon, je trouve ça intéressant. Je laisse là-bas. Donc comme je l'ai dit aussi, vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Donc vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Donc ça c'est du texte. Je peux ajouter une citation. Ici, très simple. Un nouveau métier du social media. Donc, comme on a vu, on a la possibilité de changer la police, la possibilité d'élargir ce qu'on vient d'écrire. Voilà, donc si je veux que ça soit dans une autre couleur, je peux le mettre dans une autre couleur si je veux, etc. Donc voilà un peu ce qu'on a à faire, le background, c'est l'image de fond, etc. Donc une fois que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, c'est bien fait, c'est nickel, vous trouvez que c'est beau, c'est joli, donc vous avez la possibilité de le télécharger ou de le partager avec quelqu'un. Donc nous on va le télécharger, donc on télécharge. Vous avez la possibilité de télécharger en PNG ou JPEG. Donc d'habitude on recommande les PNG. Et je télécharge mon image. On voit donc là il est en train de télécharger mon image en question. Qui va s'enregistrer sur mon ordinateur que je peux utiliser selon le type de modèle que j'ai choisi. Donc ici on a choisi le type de modèle couverture Facebook. Voilà, donc vous avez votre image ici. On va essayer d'uploader la photo Facebook. Donc ajouter une photo de couverture, importer. On va sur le bureau. Ouais, que c'est adapté, donc je clique sur enregistrer si je veux ou sinon je laisse tomber. On avait vu un peu l'image qu'on vient de créer, donc c'est un peu ça ce que ça veut dire.